Demain, c'est mon birthday. Je célèbre 25 ans, un quart de siècle. Et je suis tout excité parce que cette fois-ci, au lieu de le fêter avec des potes, avec des amis ou peu importe, sur Dubaï ou quoi que ce soit, j'ai décidé en fait d'emmener ma mère, de lui faire super plaisir avec moi, lui redonner la balle parce que c'est aussi grâce à elle qu'on en est là, on va pas se mentir. Sinon, Mohamed, il serait tout simplement pas de cette planète, tu vois, je vais pas te mentir. Du coup, direction la Malaisie. Donc là, on est dans le lounge en first class. On a pris notre petit déj tranquillement, petit croissant, aux petits soins, les petites confitures, le petit beurre. Tu vois les petits détails qui font la différence. D'ailleurs, même sur le chocolat chaud, il y avait tout simplement le vol Emirates. Et voilà, je suis très très content moi aujourd'hui d'avoir une vie au final où tu sais que tu peux faire plaisir à tes proches, tu peux faire plaisir à tes parents. Tout à l'heure encore, on en parlait avec ma mère, elle me disait mais en fait, quand toi t'étais jeune, tu m'as toujours parlé de tes rêves, de tes projets avec des étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui, te voir les accomplir, ça me fait super plaisir. Et tu sais que quand la mère dit ça, c'est bingo, frérot. C'est clairement bingo. Donc voilà, elle va faire sa première expérience en first class. Je suis super, super content. Voilà, nos darons rebeux qui ont souffert pour nous et qui ont fait le maximum. Et voilà, on va kiffer. Et du coup, je vous emmène avec moi sur ce trip en Malaisie. J'espère que vous allez aimer. Et je pense qu'on va faire pas mal de belles choses. Par souci de confidentialité, forcément, je montrerai pas ma mère. Peut-être qu'à certains fois, vous aurez quelques-unes de ses réactions. En tout cas, j'ai hâte. Là, il est super tôt au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai hâte de vous montrer ce vlog-là, du coup. Bon, les gars, on est bientôt arrivés. Et en vrai, je voulais vous montrer les choses les plus improbables que tu trouves dans la suite, en fait. Tu peux commander en illimité tout ce que tu veux tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Il y a des mocktails, il y a du café, il y a des thés. Il y a des cocktails pour les kiffeurs d'alcool. J'en parlais encore avec ma mère, je leur disais ceux qui sont vraiment rentables en vol first, c'est vraiment ceux qui boivent de l'alcool, qui boivent du champagne, qui boivent du vin et qui boivent du cognac. Bref, du coup, ensuite, qu'est-ce que t'as? Tu peux commander du caviar, frérot. Tu peux t'envoyer un petit caviar. Donc là, comme ils te donnent des doses, des bounis. Bon, après, forcément, il y a les entrées plein dessert, mais ça, c'est rien de fou. Ensuite, tu peux t'envoyer si t'as envie. Il y a un menu là, il y a un menu que tu peux voir juste ici. Tu peux t'envoyer des pop-corn, tu peux t'envoyer des petits burgers, tu peux t'envoyer un cocktail de crevettes. Donc ça, c'est si tu as envie de regarder un film, tu tapes un petit kiff. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as des sandwichs illimités, tu as des plats de fromage, etc. Les trucs que je trouve vraiment cool, ils te donnent des Haribo. Forcément, je vais les embarquer, même si je suis à la diète, je vais quand même les prendre. Regardez, il y a des petites boîtes d'Haribo, il y a une petite boîte de M&M's juste là. Ensuite, vous avez des chewing-gums, forcément une trousse de toilette, comme ce qui est noix de cajou et tout là. Et après, t'as d'autres trucs. Donc voilà, c'est le total kiff. Un petit masque pour les yeux, t'as un gros casque, t'as des pantoufles et t'as surtout un pyjama que j'ai eu la flemme de mettre. Mais en tout cas, je trouve ces petits accessoires, cette petite déco, elle est quand même sympathique. Bon les gars, après une belle nuit de sommeil, nous voilà lundi 3 juillet. C'est aujourd'hui que je fête mon quart de siècle. Du coup, comme vous le savez, je suis simplement avec ma mère du coup à Kuala Lumpur. C'est la première fois qu'elle voit la Malaisie. C'est la première fois pour moi aussi. C'est mon 32e pays. Donc voilà, je pouvais au moins me faire ce petit cadeau. Du coup, aujourd'hui, programme de la journée. Très très simple. On va aller visiter un petit peu la ville, visiter des monuments. En fait, pour moi aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est une journée exactement comme les autres. Il y a absolument rien qui change, si ce n'est que je me rapproche de la mort et tout simplement je grandis, je prends plus de maturité. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir accès à plus de choses. Donc voilà, journée classique, on va en profiter pour voir quelques endroits de la ville. De toute façon je vous ferai défiler ça. Et à la fin de la journée du coup je vous ferai un room tour. Parce que là je vous mens pas, la chambre elle est dans tous les états. Forcément j'étais en train de dormir, frérot, je suis pas en train de dormir. Et le côté il va rester lisse à vie. Donc voilà, tu m'as compris et je t'emmène directement dans ma journée. Bon les gars, je vous mens pas, là il pleut des torrents. Regardez dehors. Oh là là, cette pluie là. Bon, ma mère m'a dit que c'est la pluie du bonheur. Maman, c'est qui n'a été la pluie? C'est le bonheur. C'est le bonheur d'avoir un jour de pluie dans son anniversaire. Ça va, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. C'est le bonheur, le Dieu. Ça fait plaisir. Du coup, on va à la première attraction là qui s'appelle Batu Cave. Ça va être chaud là parce qu'il pleut, mais affaire à suivre du coup. Je vous emmène avec moi, voilà, on a pris un petit chauffeur privé, comme ça il peut nous emmener aux endroits où on veut. Et c'est parti quoi. Bon les gars, on est arrivé du coup au palais du roi, ce qu'ils appellent le King Palace. Donc voilà, c'est une grosse avenue comme ça, là tu peux voir un peu la devanture derrière moi. Pour le coup, du coup, forcément on peut pas rentrer dedans vu que lui, il vit. Donc ce qu'est m'expliquait le chauffeur avec nous,
c'est qu'en fait, il y a différents rois en Malaisie élus en fonction de différents états. Je pense un petit peu comme le système américain. En tout cas, c'est super beau à voir. Le paysage est beau, tout est bien. Tu vois, même les arbres, frérot, ils sont dressés. Et voilà, hein, journée kiff, donc c'est parti. Au moins, il a arrêté de pleuvoir, donc ça, c'est top. Bon, les gars, le chemin s'arrête ici, devant le palace. En tout cas, à l'intérieur, c'est super, super beau. Vous imaginez pas, je vais vous montrer quelques plans, mais bon, on peut pas aller plus loin que ça. En tout cas, c'est incroyablement beau. Bon les gars, du coup, Kuala Lumpur, c'était en fait une colonie britannique. Là, je me dirige vers la place de l'indépendance, comme tu peux le voir derrière moi. Donc c'est des bâtiments qui sont issus de l'architecture indienne. Un peu de culture, bah oui! Faut pas foncer tête baissée dans la vie sans rien savoir, mon frère. Donc voilà, je vous montre un petit peu le petit cadre derrière moi, juste ici. Je crois que c'est cette place-là, où les gens, tu sais, dans chaque ville, il y a une symbolique. Mais franchement, c'est beau, hein. C'est beau, c'est propre. Bon, le temps, il n'y a pas non plus un soleil de fou, mais je vous mens pas, on ressent la chaleur. Il fait déjà 30 degrés, là. Donc voilà, je pense que c'est le dernier truc qu'on va faire aujourd'hui. Et demain, on change de cadre. Parce que tu sais, quand tu vas dans des villes comme Kuala Lumpur, Singapour ou quoi, tu sais que ça va être historique. Il y a des musées, des petits endroits, etc. Mais on va pas se mentir, le frérot, il aime le soleil. Donc demain, direction le Sunshine, mon frère. Bon, de retour du coup à l'hôtel, je vous fais un petit room tour de la suite exécutive ici au Four Seasons à Kuala Lumpur. Bon les gars, le taxi avec lequel on était tout à l'heure, il m'a dit de venir ici. Donc on est à Paloma Link là. En fait, de ce pont-là, tu vois bien les deux tours Petronas. Donc voilà, il y a une belle vue. Quand il y a du peuple, mon frère. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il fait chaud, l'humidité, oui, tu vois là. On est en train de transpirer. Bon, mais en tout cas, la vue est belle et ça en valait le coup aussi de faire un petit passage ici. Donc voilà, Kuala Lumpur. Petit trip fini là de 24 heures. Demain, direction une nouvelle île. On repart pour des nouvelles aventures. Bon les gars, c'est parti pour le deuxième jour du coup. Là, on est à Langkawi du coup, qui est une ville à peu près à 30 minutes, 1 heure de Kuala Lumpur. Donc on a dû prendre l'avion pour venir ici. Et nous voilà du coup au premier étage de la superbe villa que j'ai pris. Donc voilà, j'ai voulu quand même faire plaisir un petit peu à ma mère qui avoue un petit peu un cadre différent. Donc je vais te faire un petit room tour. Je te promets pas de te prendre les meilleurs plans, mais qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau. J'avais sous-estimé la puissance d'avoir un petit ascenseur chez soi et d'entendre ce bruit. C'est que t'es arrivé, frérot, et qu'il y a du soleil, il y a de la bonne chose. Bref, là, on arrive du coup au deuxième étage. Donc là, t'as un bureau magnifique où je me suis installé, forcément. Je me suis mis bien, j'ai mon petit ordi, j'ai ma petite bouteille d'eau juste ici. Et voilà, on est bien chez... Oui, c'est bien le DG, oui, c'est bien moi. Ok, parfait. Donne-moi le contrat, laisse-moi signer. Donc voilà, il y a plein de villas. On est en plein milieu de la nature. Et ça fait du bien. Bienvenue dans la plus belle suite avec un petit canapé, un grand lit et une salle de bain gigantesque. Je crois que j'ai rarement vu une salle de bain aussi grande, mais regardez-moi ce bed, 4 mètres sur 4 mètres. Bref, c'est la vie qu'on a décidé de mener, c'est la vie qu'on mérite, on va pas se mentir. Et un dressing juste derrière moi, on se régale. Bon, je vous mens pas, la maison, elle est vraiment balèze, balèze. On pourrait ramener tous les membres fidèles de la commu et se faire une vraie pool party ici pour le coup. Bon, avec la daronne, vu que c'est tellement grand que je lui dis, maman, on va communiquer sur WhatsApp. Hein. Frère, c'est trop grand. Mais bon, à chaque fois maintenant, je me rends compte que quand je bouge, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de profondeur, de visualisation, d'étage. Ça, c'est la vie vers laquelle on tend, frérot. C'est, on est obligé de la vivre au moins 24, 48, 72 heures, faire des belles suites, faire des beaux hôtels. Et vous le savez, moi, je suis pas là pour flexer ou quoi que ce soit. Je vous montre juste
ce que d'autres vont pouvoir peut-être expérimenter dans le futur en travaillant charbon, 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 travail, persévérance, et ça finira toujours par payer. Franchement, la salle de sport au dernier étage, pas mal du tout, hein. Avec cette vue-là juste derrière, non, ce n'est pas un fond vert. Je vous mens pas, les gars, depuis que j'ai bougé avec la daronne, j'ai trop la flemme d'aller au sport. Donc voilà, des fois, t'as des baisses de motivation, t'as pas trop envie, là, je viens de fêter mes 25 ans, j'ai envie d'être en mode chill. Tant que la motivation, elle revient pas, je reviendrai pas à la salle. Et voilà, tout simplement, des fois, faut pas aller à contre-cœur. Quand ça viendra, ça viendra. Le temps est encore long, j'ai fait des gros efforts sur les derniers mois, beaucoup de sacrifices. D'ailleurs, ma transformation physique, c'est une autre vidéo que j'ai sortie. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. A few moments later. Bon, finalement, je me suis tapé une déter. Et voilà, c'est reparti. Hein. C'est reparti comme en 42. Là, je finis par de la marche. Ça fait une heure que je suis là. Et franchement, ça fait du bien. Allez, go enchaîner ces petites victoires. Bon, on arrive au terme de ce trip express en Malaisie. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de se relaxer, d'avoir un cadre différent, de voir aussi tout le chemin parcouru. Si aujourd'hui, je peux offrir ça à ma mère et m'offrir ça à moi-même, c'est pas ce que j'aurais espéré dans le passé. Mais en tout cas, j'ai mis goût, volonté, travail, détermination et forcément, t'arrives par y arriver. En tout cas, je te souhaite de toi aussi, pourquoi pas un jour, faire profiter les tiens. Donc, comme tu peux le voir, on est de retour du coup au Four Seasons. Donc, encore une nuit ici. Aujourd'hui, je vais en profiter pour pas mal bosser. Donc, me focus, travail, gym, trader aussi. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire ce que t'en as tout simplement tiré ou ce que t'as ressenti à travers ça. Je reçois beaucoup de vos messages et d'encouragement à chaque fois sur mes différents réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner. On approche des 15 000 abonnés. Merci encore pour la force, le soutien. Dire que l'aventure YouTube commence à peu près en février, là on est en plein été et il y a eu tellement de choses parcourues et c'est aussi grâce à vous, donc je voulais réattribuer à César ce qui lui advient. Donc voilà, je vais te laisser sur quelques plans de la suite. Donc cette suite a une configuration totalement différente de la précédente. On a la chance d'avoir une belle vue, donc je te laisse visualiser sur ces petits instants et je t'envoie plein de force et plein d'amour.